Hello tout le monde, c'est Monsieur Crafcode et aujourd'hui une nouvelle présentation de mode. On va voir le mode Lycanthe mode ou je ne sais plus trop Lycanthe mode qui est on va dire un mode qui va rajouter plusieurs mobs mais dans le Nether qu'on va aller avec ce portail. Ces mobs, bah justement, ça permet d'augmenter un peu la difficulté du Nether parce qu'il faut quand même l'avouer, au bout d'un moment le Nether il est pas très comment dire, il est pas très difficile. Il y a les ghasts, bon les ghasts il y a juste à courir, c'est on s'en fout. Les pigmen vous les tapez pas, ils vous laissent tranquille. Au final il y a que à la limite les blaze et maintenant les wither squelettes, mais bon c'est pas non plus des choses extrêmement difficiles, on peut s'en débarrasser facilement. Donc du coup ce mode va permettre d'améliorer la difficulté du Nether. Donc on va aller dans ce monde. Talalalam. Donc je vais faire spawner les mobs moi hein, puisqu'on va pas aller on va pas s'embêter à aller en chercher tout le temps. On va juste regarder si on est pas en peaceful, si c'est le cas d'ailleurs. Hop, on va se mettre en easy. Tiens, une ghast à spawner. Les pigmen, y a rien d'autre qui a spawné. D'ailleurs ils ont une tête un peu bizarre. Ah oui, donc le texture pack déjà je le dis maintenant. Étant donné que y en a un, c'est le Sphax Purvey des Craft. Voilà. Donc là on voit déjà qu'il y a quelques petites bébêtes un peu inconnues là-bas. Hein. On a deux. Ce sort de petit truc sur deux pattes. Et ce machin là-bas. Donc on va prendre un peu tout ce qu'il y a. On va commencer par. Si jamais ça rentre tout dans l'inventaire, ce serait cool. Ça devrait tout rentrer. Et on va prendre des villageois histoire de faire la démo. Parce qu'on va pas. On va pas se suicider quand même. Donc on va spawner un petit villageois. Est-ce que les pigmen l'attaquent? Ce serait bien que non. C'est nickel. Donc on a le Belft, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous le faites spawner, c'est ce qu'on a vu un peu là-bas. Bon, il va sauter quand même. Non, il est pas aussi con que ça. On l'a vu là-bas, en gros c'est une sorte de. Je sais pas comment dire, une sorte de mini guerrier. Hop, vous voyez. Il est plutôt pas mal fait avec ses petites. Ses petites épaulières, on va dire, sa tête de. Genre, j'ai vu un truc exceptionnel. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Bon, vous voyez qu'il est pas forcément un très très bon viseur, mais. Faut dire qu'il doit faire assez mal. D'ailleurs, il est passé dans l'autre monde. Tiens, est-ce qu'il peut spawner dans le monde réel? Ouais! Donc, du coup, si on le met là, hop. Vous voyez, c'est pas forcément un très très bon viseur, mais au final, il vous met en feu et il a l'air de faire pas mal de dégâts. Enfin, pas mal. Ça reste assez raisonnable. Au niveau de sa vie, il a une vie normale, c'est-à-dire un peu comme les zombies, etc. Vous pouvez le taper, il va se tuer assez facilement. Vous voyez que deux coups suffisent. Et il m'a droppé de la Nether Ward. Donc, il drop que de ça à chaque fois. Mais c'est un montant différent. Donc là, j'en ai eu deux. J'aurais très bien pu en avoir un peu plus. Enfin bon. Du coup, on va rester un petit peu là pour montrer les mobs. Vu que c'est sûrement un peu plus clair pour vous que le Nether qui est sombre. Deuxième mob, on a le Depth Moth. Voilà, hein, qui est ce grand. Je sais pas trop comment appeler ça, mais. Enfin, une sorte pas de taureau, mais voilà. Ses cornes sont plutôt bien faites en plus avec le. Ça se courbe comme ça. Je le trouve assez joli quand même. Enfin, joli, faut pas abuser quand même, mais. Voilà, il est plutôt bien fait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? À peu près comme l'autre, sauf que. Il va tirer des plus grosses boules, mais en moins rapide. Il vise un peu mieux aussi. Donc faut faire attention. Et ses boules font quand même assez mal. Vous voyez qu'il a mis combien? 3 coups sur le mob et il est déjà mort. Donc voilà. Pareil pour le tuer, il a à peu près le double de la. Le double de vie d'un monstre normal. Et il drop des Hellfire Charge. Donc les Hellfire Charge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui balance. Donc vous pouvez faire un clic droit par terre. Et ça met le feu. Comme si jamais lui tirait sa boule par terre. Ou si je dis pas de conneries, après c'est si je dis pas de conneries, il me semble que si jamais vous les mettez dans un dispenser, ça va faire comme les fire charge, c'est-à-dire ça va les tirer. Donc on va tenter. Voilà, donc ça les tire, vous voyez, ça met le feu comme si c'est lui qui les balançait. Bon voilà, je sais pas si ça fout le feu au bois, etc. Mais en tout cas ça a l'air d'être un peu... Enfin le feu a l'air de rester un peu plus longtemps. Mais à mon avis il doit quand même cramer les autres choses, enfin bon. Pour lui c'est fait. Maintenant on a le Pinky.
Alors lui, ta-da-da-da, boum, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le deuxième, donc il fait un peu plus peur quand même avec sa tête, et en plus il vous suit du regard. Donc il a que deux papattes, hein. Enfin il a des bras mais ils sont un peu petits. Donc voilà, donc du coup lui, qu'est-ce qu'il va faire, vous vous en doutez bien, il va foncer sur les gens. Donc il arrive sur vous, paf, il vous tape, paf, paf, paf. Donc pareil, il fait assez mal, vous voyez, il la tue assez rapidement, surtout que lui, bah, il attaque, on va dire, en continu. Et en plus, il est près de vous. Bon, du coup, il est près de vous, vous pouvez l'attaquer plus facilement, mais il fait quand même assez mal. Pareil, il a la vie à peu près double d'un monstre normal. Enfin, quand j'appelle un monstre normal, c'est genre un zombie, une araignée, etc. Donc, faut quand même en vouloir pour le tuer, mais bon, c'est pas non plus la mort. Ensuite, on a le Tyrite. Alors, le Tyrite, sa tête est où? Sa tête est là. Ça, c'est sa tête, derrière, c'est ses fesses. Donc, une sorte de mini-araignée, vous voyez. Sauf que elle est déjà de une extrêmement rapide. Bon là elle a pas l'air de trouver son chemin, mais elle est extrêmement rapide. Elle fait pas beaucoup de dégâts, il me semble, elle fait un cœur de dégâts à chaque fois. Mais vous voyez en fait il a blindness. C'est-à-dire que là bah, en gros il est plus ou moins aveugle. D'ailleurs on peut essayer. Va falloir vite que je me mette en game mode. Que je me remette en créative vite derrière. Vous voyez que. Il met blind, enfin c'est pas vraiment blindness, c'est wither, c'est-à-dire vous voyez pas votre vie, vous savez pas où vous en êtes. Et vu que ça fait plein de dégâts en continu, c'est un peu chiant à savoir où on en est. Par contre, pour les tuer, ils ont, il me semble, 5 coeurs de vie ou peut-être 10, je sais plus, enfin bon. En gros, ils ont la moitié d'un zombie. Ok, on peut rien casser avec l'épée, c'est vrai. Ils ont la moitié de vie d'un zombie, donc c'est, on va dire, simple à les tuer, mais avec le blindness, c'est assez dur, surtout si jamais vous en avez plusieurs sur la tronche. Voilà. Ensuite, on a l'araignée numéro 2, on va dire. Enfin, araignée. On dirait une sorte de cerveau sur des papattes avec un petit canon devant. Bon, un cerveau avec des mains, je vous avoue, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Moi, ça me fait penser un peu à un mec qui était dans. Comment c'est déjà? Men in Black? Men in Black 2, je crois. À un mec sur. Un cerveau sur pattes. Enfin, c'est pas un cerveau, je crois qu'il y avait que la partie haute du corps, mais bon, c'est marrant. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il va tirer des petites balles. Enfin, des petites balles. Elles font pas spécialement mal, ces petites boules, mais vous voyez qu'il les tire quand même en continu. Et bah, au final, le mec, il peut pas trop s'approcher du gros monstre. On va essayer, nous. Vous voyez que s'il commence à nous tirer dessus, ça fait pas très mal, ça fait un demi-cœur, mais vous voyez que si j'avance vers lui, bah, au final, je peux pas avancer vers lui parce que à chaque fois, il me repousse en arrière, donc vous êtes obligé de le contourner. Et franchement, c'est pas spécialement facile. À partir du moment où il commence à vous toucher, bah bonne chance pour s'approcher vers lui. Surtout, plus vous êtes prêt, plus il aura des chances de vous toucher. Enfin bon, vous voyez que c'est quand même assez difficile. Au niveau de sa vie, bah il, pareil, il a même un peu plus du double d'un monstre normal. Il a peut-être le 4 fois plus. Et lui, quand il meurt, il fait spawner justement les petites tyrites. Il vous drop aussi quelques petites choses, de la redstone, du fer, enfin bon, un peu de tout. Mais il spawn des petites tyrites comme ça, mais il en spawn plusieurs. C'est-à-dire que là, il en a spawné 2, mais il peut très bien en spawner 5, etc. Et donc là, du coup, vous voyez tout de suite que les tyrites, ça devient un peu plus chiant, même si elles font pas beaucoup de dégâts au final. Après, si vous en avez 5, bah, ça fait quand même beaucoup de dégâts et vous voyez pas votre vie. C'est dur à gérer. Donc là, on voit quand même que le feu se répand. Plutôt pas mal. Donc le Asmodi, c'est fait. Maintenant, on va faire le Netherthrall. Donc lui, c'est une sorte de crâne volant, on va dire. Vous voyez qu'il se déplace quand même assez vite. On va faire spawner un petit villageois. Pars pas trop loin, s'il te plaît, Bibi. Viens là. Bon, on va en se faire spawner un autre. T'attaques? Non, t'attaques pas. Non, ils veulent pas. Bon, je vais mettre moi en tant que sujet test. Coucou les boys. Oh, tu me tires dessus? Non, tu veux pas? Aïe, c'est pas bon. Bon, lui c'est pas bon, lui c'est celui d'après. Je me suis fait peur tout seul. Apparemment, il fait spawner des petites têtes comme ça. Vous voyez que les têtes elles foncent vers vous. Elles vont tenter de vous attaquer. Elles font assez mal quand même. Mais vous voyez que déjà quand vous avez ça sur la tête. Oh la vache. Ça. Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais. Vous vous retournez, vous voyez ça fait quand même. Ça fait quand même bizarre. Lui il vous tire des grosses bouboules. Hein, vous voyez. Elles sont lentes, mais elles font assez mal. Il en tire pas beaucoup. D'ailleurs, les petites têtes, elles sont. Les petites têtes, normalement, quand vous les tuez, il y a des chances qu'elles vous donnent des. Des. Ah, viens là. Des. Comment? Des larmes de ghast.
Là, je crois que ça a... Non, ça c'est l'XP. Les petites bouboules, apparemment, elles restent en l'air. Je vais essayer de m'en prendre une. Est-ce que je peux? Non. Peut-être un bug, j'en sais rien. Bon, toi, viens là. On va essayer de te tuer. Enfin, bon, vous voyez que, franchement, ces mobs, ils font assez peur. Bon, en même temps, c'est un peu le but du Nether. Je pense que ce mob, il va être chiant à tuer. Et il donne des blaze... blaze powder. Bon, il donne plusieurs trucs différents. Mais, franchement, ces genres de mobs... Ça va être assez difficile, surtout s'ils sont au-dessus des lacs de live. Vous pouvez pas trop les attaquer, vous, sachant que eux, ils peuvent vous attaquer. Franchement, à mon avis, maintenant le Nether, si vous installez ce mode, c'est quelque chose. Bah, on va dire que ça portera un peu mieux son nom, quoi. Ce sera un truc hardcore. On va essayer, on va essayer. On va se mettre vite fait en pas créative, en survie. Est-ce que je me fais pas attaquer tout de suite? Non, c'est bon. On va juste prendre une épée, c'est bon. Je vais m'en mettre en créatif juste histoire de prendre un peu de bouffe. On va se prendre une armure aussi histoire de voir. Hop, une armure, ce que j'ai pris la même, une armure, une armure, une armure. Et un peu de bouffe, de la bouffe pas trop chère s'il vous plaît, voilà. Nickel. Donc on va essayer ça, on se met en survie, on met notre armure, hop, on prend notre nourriture. C'est nickel. Et on va partir à l'aventure. Donc, je sais pas s'il spawn. On va se mettre en hard. S'il spawn, il y a des chances de spawn plus élevées en hard ou pas. Déjà là-bas, on en a un. Donc vous voyez, en plus, dans le Nether, c'est quand même vachement plus chiant à les attaquer parce que vous avez plein d'autres mobs. Vous avez le feu qui est à côté. Vous avez aussi potentiellement des trous. Bon, là, j'ai pas pris de dégâts parce que j'ai. Comment dire? J'avais absorption de la pomme d'or, donc ça allait. Mais j'aimerais bien trouver les... D'ailleurs, on va se prendre un arc. Les gens de... Non, les gens. Les gens qui volent. Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bon, les... Ceux qui tirent des petites bouboules. Le problème, c'est que dans le Nether, on voit pas grand-chose. Ah, là-bas. Là-bas, on a celui qui tire les bouboules, là, le cerveau sur papatte. On va aller le voir. On va descendre. On va tenter de descendre. Voilà, comme ça vous avez une présentation de mode et une mini-aventure. Alors, on va tenter. Voyez qu'en plus, il nous repère quand même d'assez loin. Bon, il suffit juste un peu d'éviter ses flèches, mais... Enfin, ses flèches, on comprend. Surtout, faut pas que je touche le pigmen. On va tenter d'y aller avec l'épée, histoire de voir. Le problème, c'est que là-bas, j'ai un autre mob. Voyez que là... Oh là là, il a une tête. Il me met pas spécialement cher avec ses boules, mais vous voyez qu'il me tient à distance et j'arrive pas à... Bon, au final, pour le taper, c'est assez chiant. Non, arrête ça. Arrête ça, arrête ça. Ah c'est le bordel. Non, casse-toi. Vous imaginez, vous êtes dans une forteresse du Nether. Où il y a plein d'autres mobs, il y a des Blaze, des Wither squelettes et ces machins qui viennent vous attaquer. Imaginez-vous le bordel que c'est. Là, j'ai quand même déjà perdu pas mal de vie. On va essayer de l'achever à l'arc. Voilà. Ah oui, mince. J'avais oublié ça. Vous voyez que là, il en a spawné 5. Non, non. Tu ne me touches pas. Il en a spawné 5, donc du coup, un peu plus hardcore déjà. Plutôt qu'une. Donc là, voilà. J'ai le Wither Effect. Du coup, je sais pas ma vie. J'ai une gaz qui me tire dessus. Enfin, si j'arrive à avoir un peu ma vie, je suis à quoi? Un demi-coeur. J'ai cru qu'il y avait un truc sur moi. J'ai quoi? J'ai résistance et faire résistance. Mince. Et encore les autres. Casse-toi. Non. Vous voyez que là il me reste 4 coeurs. Enfin bon, je suis pas trop censé voir. Je sais pas si c'est à cause du texture pack. Putain, j'ai l'impression de me prendre des dégâts de je ne sais pas où. C'est quoi celui-là? On va tenter. Ah non, celui-là c'est les petites têtes. Donc apparemment, les petites têtes en gros, c'est quand vous les tapez, elles font boum. Ça vous fait des dégâts. Enfin bon, je pense que vous avez compris un peu le but du mode, hein, vous rendre la vie beaucoup plus difficile dans le Nether. Et bon, du coup, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, surtout que je vais pas forcément trouver tous les mobs. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse enfin d'avoir un, ah lui, il a une épée enchantée, d'avoir une expérience un peu plus difficile dans le Nether, franchement, je trouve c'est un bon mode. Ça relève pas mal un peu le challenge du Nether parce que moi, franchement, je trouve pas forcément difficile, on va dire, version normale.
Et en plus, il me semble que l'auteur du mod a prévu de rajouter quand même pas mal de nouveaux monstres. Ah, vous voyez que là-bas, là, il y a une grosse tête. On se la fait, allez. J'aimerais bien juste qu'elle me voie. Voilà. On va tenter de se prendre une de ces boules, juste pour rigoler. En fait, j'ai l'impression qu'elle vous tire des petites... Ouais. Je sais pas trop ce que ça fait, je vous avoue, mais à mon avis, ça doit faire mal. Est-ce qu'on peut les renvoyer? Non. Attends, je vais... Ah, je crois. Non. Non, 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 non. Ouais, en fait, ça vous tire des petites, plein de petites boules. Ensuite, ça vous fait un gros dégât. Enfin, un gros dégât. Ça dépend de ce qu'on appelle gros dégât. Et ensuite, ça peut se faire spawner un petit... Un autre bonhomme. Bon, là, en même temps, j'ai une armure en diamant. Donc, voilà, vaut mieux pas trop s'aventurer dans le nether, à mon avis, si vous avez pas d'armure. Voilà, on l'a tué. On va aller voir ce qu'il a droppé, si jamais il nous a droppé quelque chose d'intéressant, mais bon. En tout cas, voilà pour le mod. Le lien dans la description. Et il nous a droppé plein de choses. De l'XP, des flèches. Non, ouais, il nous a droppé des charges qui tirent, lui, un peu comme... Bah, comme les charges qui tirent, quoi. Eh, viens là, toi. Ouais. Bon, en fait, ça fait aucun dégât. Enfin, moi. Ah, c'est énorme. Ouais, le pigment. Bon, voilà, vous avez compris. Le lien est dans la description. On se dit à la prochaine pour une nouvelle présentation de mode. Allez, salut à tous. Ah. Je sais pas trop ce qu'il fait, lui. Je crois qu'il a un petit problème. Il a un speed sur lui ou quoi? Je crois qu'il était fou contre les pigmen.